Wow, voici encore une chose qui nous fait apprécier la vie qu'on a. Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue sur ce bonne. Ce matin, dans la première vidéo, nous vous avons parlé d'une jeune fille rappeuse américaine de 21 ans qui est décédée. Elle s'appelle... Bon, suivez-nous, nous allons la voir. Je ne la connais pas personnellement, mais aujourd'hui, je l'ai découvert. Mais... dans de mauvaises conditions. Ce que nous allons voir, c'est hors du commun, mes frères et sœurs. C'est triste. Regardez, elle est ici, en fond des champs. Cette jeune fille que vous voyez là est une rappeuse américaine. Et elle est décédée le 1er janvier 2020. C'est-à-dire à l'heure où vous êtes en train de crier de joie parce que vous êtes entré en 2020. C'est là. Elle est décédée. On vous a donné plus d'informations dans le live de ce matin. Mais nous allons aller un peu plus loin pour vous montrer quand même quelques réactions. Déjà, vous devez savoir, mes frères et sœurs, que je suis vraiment choqué par cette nouvelle. Vous vous rendez compte que la fille, elle est décédée le 1er janvier 2020. Et en ce moment, personne ne sait de quoi elle est décédée. Regardez bien, regardez là, regardez. Elle est juste jeune. Elle est toute fraîche. Juste 21 ans. Waouh, c'est vraiment inquiétant. Et les informations que nous recevons sont là. Vous pouvez même lire. On nous dit, Lexi Alija, c'est son nom. Décès de la jeune rappeuse américaine âgée de 21 ans. Lexi Alija, une rappeuse américaine âgée de 21 ans, est décédée. L'annonce a été communiquée par la chanteuse Kehlani en évoquant sur Twitter la mort de l'artiste mercredi 1er janvier. Aucune information ne précise le contexte de la disparition de la jeune femme. Pour le moment, la chanteuse avait débuté sa carrière en rappant sur des titres notoires et avait sorti son premier album en septembre. Là, elle avait sorti son premier album et elle cherchait à évoluer, à grandir. Et voici comment elle a rencontré même ce problème. Quel est le problème? C'est la mort. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Déjà, Kehlani, c'est qui? Kehlani, c'est comme sa sœur, comme elle dit elle-même. Regardez ici. Elle dit, on dit, Kehlani a mis en ligne des photos montrant, c'est-à-dire des photos la montrant aux côtés de la jeune femme de 21 ans. Et elle dit, c'était ma sœur, a-t-elle commenté. Je suis en colère, je suis perdue, j'ai le cœur brisé, a-t-elle également écrit sur le réseau social au sujet de la rappeuse Reza Clark, se présentant comme la cousine de Lexi Alija a elle aussi réagi sur Facebook. Voici ce qu'elle a dit. Tu es une vraie légende. Repose au paradis. On ne t'oubliera jamais. Les mots me manquent complètement. C'est trop tôt. A-t-elle écrit. Une jeune fille comme ça. Une jeune fille comme ça. Donc là, ce sont ses amis. Une personne qui la considère comme sa soeur qui a écrit, qui a envoyé ce poste-là le même mercredi où elle est décédée. Elle dit, you are a real legend. If you know her or heard her music, you will choose. Rest in paradise
you will never be forgotten. I'm so lost for words. My beautiful cousin with so much talent and unique soul, Lexi Alija. It's too soon. Un tweet de ouf. Ça, c'est la réaction de ses proches. Maintenant, vous avez dit, et la réaction de ses fans. Qu'est-ce que ses fans disent de tout ça? Qu'est-ce que ses fans disent? Comment ils réagissent? J'ai vu une fan. Et elle dit que franchement, elle était passée. Donc, sur la terre, il y a beaucoup de personnes. Elle dit qu'il y a, sur la terre, il y a beaucoup de personnes. Pourquoi c'est elle que ça choisit? Et pourquoi c'est tombé le 1er janvier 2020? Elle dit que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Écoutez-la. Why you gotta take her away? You know what I'm saying? Like, why? Why does she have to leave? There's so many other people. You know what I'm saying? There's so many bad people out here. And she had to leave on the first day of 2020. It don't make no sense to me. Voilà. Elle dit, ça n'a pas de sens pour moi. Ça n'a pas de sens pour moi. Comment est-ce qu'elle peut partir juste le premier jour de l'année 2020? Sérieux, ça n'a pas de sens pour moi. Et dans le monde entier, pourquoi c'est elle que l'amour a décidé de prendre, quoi? C'est un truc de ouf. Maintenant, vous allez vous dire, mais qui était cette fille? Moi, j'ai vu quelques vidéos, je ne la connaissais pas personnellement, mais tellement sa disparition m'a touché, parce que là, juste 21 ans, vous comprenez? Regardez une vidéo qui la montre, juste là, dans un studio. Voilà, peut-être qu'elle ne peut pas faire une musique. Bon, regardez, elle est là, jeune, toute fraîche. Que la mort la surprendrait aujourd'hui. Là où elle était dépalée, apparemment c'était en 2018, le 11 mai 2018. Et regardez, personne ne sait le jour de sa mort. Personne ne sait le jour de sa mort. Qui peut s'imaginer que la mort va le surprendre comme ça? En fond des champs. Regardez, elle est fraîche, elle est jeune. Ah! Regardez, ça m'étonne, c'est un truc de ouf, vous-même voyez-vous, regardez, ah, nous sommes en 2020 déjà, premier décès d'une personne, d'un rappeur, et le problème avec ça encore, c'est qu'elle a 21 ans, Juice WRLD est décédé à l'âge de 21 ans. Elle aussi, elle vient de partir à l'âge de 21 ans. Regardez, là, elle montait sur scène. Voyez-vous, elle montait sur scène, allait chanter, tout ça. Vous voyez, regardez comment elle est. Elle est si jeune. Elle aimait beaucoup la musique, elle abandonnait beaucoup de choses juste pour la musique. Et regardez, là, elle est devant ses fans en train de chanter. Là, c'est maintenant qu'on peut dire qu'elle commençait à être connue. Et que les gens commençaient à s'intéresser un peu à elle, à ce qu'elle est en train de faire. Et voici dans quelles conditions la jeune fille elle est partie. Ah, même si c'est vous. Les gens qui meurent sans réaliser tous leurs projets, quand ces gens-là meurent, ils refusent leur mort. Ils refusent carrément leur mort. Ils se disent, non. Je n'ai pas fini ce que je dois faire, ce que je dois accomplir sur la terre.
Pourquoi est-ce que je suis mort? Pourquoi est-ce que je suis mort? Ah, c'est vrai, hein? Les gens ne peuvent pas croire, même. Souvent, certains même pensent que c'est de la blague. Même ils peuvent même rigoler. Parce qu'ils pensent que c'est de la blague au départ. Parce que la mort les a surpris. Faites attention. Regardez, elle est là. Elle est fraîche. Qu'est-ce qu'on va vous dire, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire? Vraiment, que voulez-vous que je vous dise? On n'a pas dit qu'elle a pris des stupéfiants et qu'elle est décédée. Sinon, on a vous dit, bon, évitez un peu de consommer des trucs bizarres. On n'a pas dit qu'elle a eu un accident et elle est décédée. Sinon, elle vous dit d'être prudent. On n'a pas dit qu'elle a fait quelque chose de bizarre. On n'a pas dit qu'elle était malade. Si elle était malade, tout ça se saurait tout de suite. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Regardez. Expliquez-moi. Qu'est-ce que je vais vous dire, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que je vais vous dire? Quel conseil je vais vous donner aujourd'hui? Quel conseil je vais même vous donner? Je ne peux que. Je suis sans mots. Je suis sans mots. La disparition de cette fille, d'Alexa, vraiment, c'est tout de ouf. C'est tout de ouf, ça me dépasse. Ça me dépasse. Regardez. Toute fraîche comme ça. Regardez. Toute fraîche, une fille fraîche. Toute fraîche. Comment pouvons-nous expliquer ça? Nous sommes en 2020. Elle est entrée en 2020. Et le premier jour, elle part. Laissant tous ses projets derrière. Elle va être enterrée. Et le cimetière va prendre toutes ses richesses. Tout son savoir, toutes ses connaissances. Elle se prenant cette fille sur les réseaux sociaux, comme toutes les filles d'aujourd'hui, de toutes les façons. Mes frères et sœurs, moi je vais vous dire un truc. On ne sait jamais dans la vie, on ne sait pas quand la mort peut frapper. Et ça, c'en est la preuve. Donc, amusement à part, arrêtons de faire les conneries. Commençons déjà à ranger notre vie, à poser de vraies actions, de bonnes actions. Ce serait mieux pour nous. Parce qu'il ne faut pas que nous soyons surpris par toutes ces choses-là, comme ça, juste comme ça. Vous devez me croire, mes frères et sœurs. Accrochez-vous à Dieu, accrochez-nous à Dieu. Sérieusement et sincèrement. Et soyons toujours prêts. Je préfère vous dire, soyons toujours prêts. La mort peut se prendre n'importe quel moment, mais soyons prêts. N'ayons pas peur de la mort ni des difficultés de la vie. Mes frères et sœurs, soyons vraiment prêts. Toujours prêts. L'année a commencé. C'est même la preuve qui montre que, effectivement, tout peut arriver. C'est pas le fait que les gens vous disent meilleurs vœux qui va changer quelque chose dans votre vie. C'est même inutile, je préfère dire ça. C'est même inutile. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Regardez. Oh, Jésus. Elle fait du rap. Vraiment. Si elle faisait des choses du genre comme chanter pour la gloire de Dieu, nous on demeurait tranquille. Mais on ne sait pas si sa relation avec Dieu était parfaite ou pas. Mais on sait qu'elle fait du rap. C'est pas une musique qui est chrétienne. Mais nous sommes plus touchés par le départ de cette fille-là que toutes autres choses. Mes frères et sœurs,
Elle est toute fraîche. Regardez, je ne la connaissais pas. Je découvre toutes ces photos-là en même temps que vous. Toute fraîche comme ça. Regardez. Mon Dieu. La vie est courte. Certains disent profitons de la vie. Mon Dieu. C'est vraiment un truc de ouf. Un truc vraiment étrange. Là, apparemment, elle était bien. Et elle causait avec ses amis, elle se prenait en photo. Voilà, ça c'est ce que les gens font. La plupart du temps, c'est ce que les gens font. Se prendre en photo. Et elle a laissé même un commentaire. On voit ici. Alixi Ali Jai. Elle dit, who is in Miami? Jean, qui est à Miami? Là, elle cause avec ses amis. Et ses amis répondent, elle a plus de 3937 j'aime. Et c'était juste le 24 octobre 2019. Qui pourrait imaginer que l'amour allait la surprendre? Aujourd'hui, vous vous sentez bien, demain, vous êtes malade. Vous avez bien mangé du poulet aujourd'hui, et puis demain, là, vous n'avez plus l'appétit parce qu'il y a un mal quelque part. Vous vous sentez mal. C'est comme si ce que vous avez fait hier, là, même, c'était même rien. Mon Dieu, regardez. Elle avait même été interviewée quelque part. Elle parlait un peu de sa musique. Comment elle a collaboré avec cette jeune fille qui a annoncé sa disparition sur les réseaux sociaux. Elle disait que c'était une très belle expérience. Et qu'elle a appris beaucoup de choses. C'était bon. Elle ne sera plus là pour nous dire quoi que ce soit encore. La mort l'a emporté. Jésus. Elle a fait sortir un album. Elle a commencé à évoluer. Mais c'est Dieu qui décide tout. Qui doit vivre et qui doit mourir. Qui doit vivre et qui doit mourir. Personne ne sait le jour de son jour. Personne ne sait le jour de son jour. Personne. Les gens font beaucoup de choses sur la terre. Tout n'importe quoi, même s'ils tapent la poitrine. C'est moi, c'est moi. Les gens sont devenus de plus en plus orgueilleux. Mais Dieu a une même mise sur le monde entier. Et sur ce que les gens font. Elle était bien, on dirait. C'est pourquoi beaucoup de personnes parlent du bien d'elle. Elle faisait juste sa musique tranquillement. Et elle tentait d'avancer. Seigneur Jésus. À juste 21 ans. 21 ans. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait vraiment pitié de nous. La vie est courte. La vie est vraiment courte. La vie est vraiment, vraiment très courte. Il faut vraiment faire très attention. Il faut déjà commencer à faire de bonnes œuvres et se préparer à tout moment. C'est pourquoi le Seigneur de Christ dit qu'il va venir comme un voleur. Personne ne saura comment il va venir et quand. Ça va surprendre les gens comme l'accouchement. C'est pour ça qu'il faut être prêt tous les jours. Quand il est le matin, puis il dit, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés, protège-moi et guide-moi. Si elle fait un truc qui ne t'a pas plu, pardonne-moi. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Puis tu avances. Fais de bonnes œuvres. Quitte les fous. De les trucs chelous. Vis ta vie tranquillement, simplement. Ne cherche pas à impressionner le monde entier. Parce que la plupart du temps, ceux qui cherchent à impressionner le monde entier, ils rentrent dans les mauvaises choses après. Ah, ça, c'est un truc.
extraordinaire. Regardez là. Regardez. Ça fait vraiment mal. Mon Dieu, toute jeune comme ça. Que Dieu ait pitié de nous. Nous qui sommes restés encore sur la terre, qu'il ait pitié de nous tous. Merci de faire ce de regarder cette vidéo. Que Dieu bénisse. Que Dieu veille sur nous. Et qu'il nous donne le temps d'accomplir tout ce que nous devons accomplir. Pour nos enfants aussi. Pour les générations à venir. Franchement. Les jeunes gens. Je pense que ça c'est un message très puissant encore pour nous. Déjà en 2019, on a perdu une star ici par accident de moto. Aujourd'hui, on perd une autre personne, juste de façon simple, une mort simple. Que tous les jeunes apprennent maintenant à bien se conduire, surtout s'accrocher à Dieu tous les jours de votre vie, de notre vie. Personne ne sait décidément quand viendra la fin. Mais nous ne devons pas avoir peur de ça. Nous devons plutôt nous préparer chaque jour. Laver nos vêtements, nous purifier. Faisons comme Job. Job, il priait tout le temps pour ses enfants. Il faisait des sacrifices pour ses enfants. Il dit que peut-être que ses enfants ont péché. Donc s'il fait les sacrifices à Dieu, Dieu va pardonner ses enfants. Marchons comme cet homme-là. Dans tout ce que nous faisons, soyons justes. Faisons de bonnes actions, faisons de bonnes œuvres pour que ça puisse bien parler pour nous. Là, elle est partie, elle est censée être maintenant dans le monde des esprits. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sont ses œuvres maintenant qui vont parler à sa place. Quelles sont tes œuvres maintenant, mon frère? Quelles sont tes œuvres, ma soeur? Analysez votre vie et rangez-vous maintenant. Avant qu'il ne soit trop tard. Mmh.